Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un goûter. Ah, le goûter, c'est un moment super important dans la vie et surtout quand on a un enfant. C'est vrai qu'avant, je ne faisais pas de goûter, mais j'ai pris le temps depuis quelques années et depuis, je ne peux plus m'en passer. Allez, pour le goûter. Et maintenant, on va faire fondre le beurre au micro-ondes, 30 secondes. Alors vous voyez comment c'est pratique cette boîte de farine. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le rangement et organisation de la cuisine, je vous mets le i juste en haut. Allez-y voir, c'est très intéressant. Vous pouvez le faire avec un robot, mais moi je préfère faire comme ça. On le fait tout doucement. Le but, ce n'est pas de fouetter, hein. Le but, c'est de mélanger pour que tous les aliments, tout ce qu'on a mis dedans, entre bien dans la pâte. Je prends un sopalin, puis je prends le beurre. Cette fois-ci, j'ai pris du beurre doux. Et maintenant, on va verser délicatement la pâte dans le moule. Maintenant, on va enfourner 40 à 45 minutes, 160 degrés, chaleur tournante. Et pendant que notre gâteau est en train de cuire, je vais nettoyer tout ça, le temps que la petite, elle finisse sa sieste et on pourra déguster ce beau gâteau, ce bon, j'espère. On va vérifier si notre gâteau, il est prêt. Je vais regarder combien de minutes il reste
Là, il reste 15 minutes. Bon, c'est pas tout à fait, mais vu de l'intérieur, je pense que c'est cuit parce que ça sent vraiment bon. Et donc, je vais mettre un pic. On va planter le pic. Si le pic, il ressort sec, c'est que c'est bon. Sinon, il faut le laisser cuire un peu. Et là. Yeah! Là, il n'y a rien. Donc, oui, notre gâteau, il est cuit. Allez, on va sortir tout ça du four. J'espère que vous sentez ça. Regardez la texture. Oh, ça donne envie de le manger. Vous pouvez manger le gâteau une fois que ça sera refroidi comme ça, avec un thé, un café, tout ce que vous voulez. Bon, moi, ma petite, elle adore le chocolat. Mon mari, il aime plutôt le chocolat blanc. Donc du coup, je vais faire fondre un peu de chocolat au lait pour mettre décorer un peu pour plus de goût et pour la décoration. Donc on attend que ça refroidisse calmement pendant que moi je vais préparer le chocolat au micro-ondes. Pour faire fondre le chocolat au micro-ondes, c'est très très facile. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie. Je le fais seconde par seconde. Je mets d'abord 30 secondes, puis je vérifie avec une marise si c'est fondu. Sinon, je remets 30 secondes. Et là, on peut voir que c'est en train de fondre. Donc, on va remettre 30 secondes encore. Petite, je fais toujours une infusion parce que le thé, ça va trop la réveiller, déjà qu'elle a beaucoup d'énergie. De couper mon gâteau comme ça. Tu as dit tu veux le gâteau avec toi? Moi, ça va couper. Ok, c'est bon. Là, tu veux ça? Encore un petit peu gros? C'est comme ça. Ah non, c'est beaucoup. Je vais te donner ça. Quand tu finis ça, je te donne ça. Comme ça, alors? Oui. Tu peux pas finir tout ça, ma chérie? Oui. J'adore le gâteau parce que là, je suis fatiguée. Comme ça, c'était maman. Annie, le gâteau il est comment? Super bon. Et voilà la fin de notre vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce, de t'abonner, de partager. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Mouah.